Bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant. Je rappelle que nous sommes en direct des États généraux de la liberté éducative. C'est le dernier direct de la journée, mais vous pouvez nous retrouver demain pour de nombreuses autres discussions et tables rondes. Nous accueillons maintenant Thierry Pardo, qui était présent à nos côtés hier à la soirée de lancement. Mais pour ceux qui n'étaient pas là hier et qui ne connaissent pas Thierry, donc je vais te présenter brièvement. Tu es docteur en éducation, chercheur indépendant associé à l'Université du Québec à Montréal. Tu es spécialiste des éducations alternatives et tu as écrit plusieurs textes sur le sujet. Au nom du pire, l'école, nouvelle religion d'État aux éditions Maître Myriadis, les savoirs vagabonds aux éditions Éco-Société. En duo avec Bernard Collot, l'ouvrage entre autres Les chemins des adultes pour libérer les enfants aux éditions L'Instant Présent et Une éducation sans école également aux éditions Éco-Société. Tu es conférencier et tu es sollicité dans toute la francophonie pour apporter au débat sur l'éducation l'éclairage de la critique libertaire. Donc dans la continuité de ton intervention d'hier, nous allons tenter de réfléchir à comment instaurer un dialogue avec les représentants d'institutions scolaires et notamment comment créer les conditions de possibilité de ce dialogue. Parce qu'il ne suffit pas de réunir deux personnes dont les idées s'opposent pour qu'elles s'écoutent mutuellement. Des tentatives de dialogue, il y en a eu vraiment plusieurs. Ils ont été très, très nombreux, très, très nombreuses. Et on pense par exemple à cette discussion entre Philippe Mérieux et Ramin Farhangi, Ramin, que nous aurons le plaisir d'accueillir ici samedi 28 novembre. Donc cette discussion entre Mérieux et Farhangi sur France Culture dans Être et Savoir, l'émission de Louise Tourret sur le thème L'école face à l'enfant, où donc en lieu et place d'un dialogue authentique, on pouvait assister à deux monologues, deux discours imperméables l'un à l'autre. Et une des causes de cette incommunicabilité, c'est notamment le fait que les deux antagonistes ne parlent pas de la même chose. En somme, on utilise éventuellement les mêmes mots, mais on ne désigne pas les mêmes objets et pas les mêmes phénomènes. Parfois même, les vocabulaires des uns et des autres sont totalement hétérogènes, totalement inconnus l'un à l'autre. Les parents en IEF parlent ainsi d'enfants quand en IEF, pardon, en instruction en famille, parlent d'enfants quand les professeurs parlent d'élèves. Or, pour se comprendre, il faudrait d'abord se mettre d'accord sur ce dont on parle. Tu as beaucoup réfléchi à ce que tu appelles, enfin, ce que tu qualifies d'impasse dans le dialogue entre les parents et l'institution et à comment parvenir à rallier les professeurs à la cause de l'enfant. Donc, quels sont ces préalables à la discussion, ces conditions de possibilité de la discussion sans lesquelles on en restera un dialogue de sourds? Quels sont les points de friction qu'il faut travailler? Voilà, on est là pour discuter de tout ça avec toi, Thierry. Et merci pour l'invitation. Alors oui, c'est une vaste question et effectivement, elle part d'une impasse constatée. Moi, j'ai plein de copains profs, j'ai plein de copains de gauche. Et en fait, on se rend compte que à chaque fois reviennent par rapport à l'instruction en famille les mêmes critiques, les mêmes. Bon, alors il y a les clichés, bon, dont je vous fais grâce, et la socialisation, tout ça. Mais il y a des impasses beaucoup plus profondes que ça. Par exemple, il y a plusieurs. En fait, il y a plusieurs niveaux. Je vais essayer d'aborder le premier niveau. On parlait hier avec Yazid de la façon dont le débat pouvait être politique. Par exemple, dans la pensée de gauche collective, en fait, si la question est politique, si la question de l'éducation est politique, alors la réponse ne peut être que collective. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui va devenir un parasite dans notre discussion. Je tiens à préciser que, comment dire, j'aimerais vraiment toujours pouvoir discuter sans brutalité, en fait, avec les gens. C'est-à-dire que de faire. Sauf que ça vient tellement les chercher, en fait, dans
quelque chose de valeur, de fond intérieur, etc. Ça donne que les critiques, les commentaires, souvent remontent des tripes et enveniment la discussion. Et comme on ne s'est pas mis d'accord sur le vocabulaire, je vais prendre un exemple tout bête, mais quand on a fait le lancement de mon livre à Montréal, Une éducation sans école, on était dans une librairie, puis il y avait 200 personnes, quoi, ou parce qu'il y avait d'autres. C'était comme un lancement avec plusieurs trucs en même temps. Et il y avait beaucoup de profs. Et donc, une prof de cégep, le cégep au Québec, c'est comme une école où on va entre 16 et 18 ans. C'est un niveau d'études qui est un peu différent de la France. Une prof de cégep s'énerve, en fait, avec le micro et devant 200 personnes, en plein milieu de la librairie, lance « Mais si vos enfants ne vont pas à l'école, comment ils font pour se procurer des livres ?» Et on comprend que, tu vois, la femme ne peut pas être con à ce point-là, tu vois, c'est pas possible, tu vois. Il y a des bibliothèques, on est dans une librairie, en fait, tu vois, elle le sait, tout ça, tu vois. Mais là, elle est en panique, vous voyez ce que je veux dire ? Elle est en panique, en fait. Et alors, ça crée souvent... un parasite très très important, et notamment avec le petit peuple de gauche, parce que eux, pour eux, la plupart du temps, la réponse est collective. Et donc, par exemple, j'ai encore vu hier un de mes amis dire oui, mais la piraterie éducative, comme je l'appelle, l'instruction en famille, etc., ben, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est vrai. Et tu vois, voilà. C'est-à-dire que il faudrait à tout prix trouver une solution qui soit pour tout le monde. Sinon, dans la pensée de gauche, il est bien urgent que ce soit pour personne. Vous voyez. Donc, Mérieux, la discussion entre Mérieux et Ramine, c'était exactement ça. C'est-à-dire que si ce n'est pas pour tout le monde, alors ça ne nous intéresse pas. Évidemment, c'est un argument à deux ronds, quoi, parce que on peut balayer ça, tu vois, d'un revers de main. Tous les gens, je sais pas moi, quand ils vont faire leurs courses, tu sais, et qu'ils ont le choix entre la nourriture bio, par exemple, ou de la bouffe industrielle, tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se dire, bon, ben moi j'ai les moyens d'offrir de la bouffe bio à mes enfants. Mais vu que tout le monde ne peut pas se le permettre, je vais préférer leur donner de la bouffe industrielle. Et quand leurs enfants leur disent pendant les vacances, on pourrait aller à la mer ? Est-ce qu'il y a un parent qui répond, ben, en fait, on a le temps, on a l'argent, on a la possibilité, on est disponible. Mais comme tous les enfants ne peuvent pas se le permettre, on ne va pas y aller. Tu vois ? Donc, c'est naze, tu vois, comme argument. C'est n'importe qui peut s'en rendre compte. Chacun, avec les possibilités qu'il a, les moyens qu'il a, essaye d'offrir ce qu'il a de mieux à ses enfants. C'est normal. Et si nous, on pense qu'on a les possibilités, le temps, qu'on s'est donné les moyens, et ce n'est pas forcément pécuniaire, hein, ce n'est pas forcément financier, mais qu'on s'est donné les moyens de passer du temps à temps plein avec nos enfants, pourquoi on ne devrait pas le faire? Alors, vous voyez, on a déjà des travers qui sont politiques là-dedans. Donc, la réponse collectiviste, pour faire un petit mot passéiste, par exemple, vient parasiter complètement la discussion. Mais il y en a pas mal d'autres. Hein. On va y revenir, j'imagine. Excusez-moi, j'ai été perturbée par un passage d'adulte derrière moi. Oui, tu évoquais hier, hier, lorsqu'on en a discuté un petit peu pour préparer notre entretien maintenant, plusieurs points sur lesquels tu avais réfléchi. Tu avais évoqué des points de friction. Est-ce que tu veux parler un petit peu plus en détail de ces... Tu avais une dizaine de points, quelque chose comme ça? Oui, ben, évidemment, peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout voir, mais moi, j'ai suffisamment traîné dans les salles des profs, et puis j'ai suffisamment d'amis profs et de discussions tout ça pour savoir qu'il y a des choses dont tous les profs, avec lesquelles tous les profs sont d'accord. T'sais. Par exemple, si vous prenez un institut, un prof qui a 10, 20, 30 ans de carrière, si vous lui demandez... mais toi, ton métier, vraiment, là, l'endroit où tu as appris ton métier, c'est à l'IUFM, à l'université, avant d'être prof. Il n'y a pas un prof qui va dire oui.
ils vont tous dire, ben non, pas du tout, tu sais, à l'école, non, bah, par contre, non, c'est vraiment sur le terrain, avec les enfants, dans le quotidien, dans la relation aux parents, avec les collègues, à gérer, bon, la poutine du quotidien, là, comme on dit au Québec. Mais voilà, donc, c'est vraiment sur le terrain, dans la vraie vie, que j'ai appris mon métier. T'sais. Et alors là, tu leur dis, mais alors, il n'y a pas un paradoxe là-dedans entre le fait d'exiger des enfants qui soient là, à l'heure, tous les matins, assis en classe, si toi, tu reconnais que ce qui est important pour toi, tu ne l'as pas appris dans ces conditions-là. Tu sais. Alors, les profs sont habitués, en fait, à jongler avec un double langage. C'est-à-dire que ça, ils sont tout à fait prêts à reconnaître ce que je viens de dire là, qu'ils ont appris leur métier sur le terrain. Mais à la fois, il y a un morceau de leur cerveau qui se déconnecte de ça et qui va dire « Non, un enfant, il faut qu'il soit à l'heure, c'est important, il ne faut pas rater. » Au Québec, et écoutez, je vous jure que c'est vrai, on a eu une sorte d'usine à gaz. je vous la raconte en 2 minutes, mais le ministre de la Santé voulait lutter contre l'obésité des enfants, notamment. Alors, ils ont trouvé une solution, je pense, magistrale. Ils ont dit, on va rajouter les 5 minutes à la récréation du matin. Quoi. Donc là, je pense que tu vois, le problème était réglé. Tu vois, je veux dire, ils avaient vraiment trouvé la solution. Donc, au lieu que la récréation dans les écoles dure 15 minutes, elle durerait 20 minutes. Et là, je pense que le problème de l'obésité n'a qu'à bien se tenir. Le problème est réglé. Mais alors, là, les profs étaient tous contre ça. Et pourquoi ? Parce que du coup, ça leur grignotait 5 minutes dans la journée. Tu vois. Alors, on parle au primaire, tu vois. C'est-à-dire là où l'enseignant a les enfants toute la journée avec lui. Là, tu sais. Donc, c'est grignoter 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi. Alors, ils ont dit, bon, ben, on va faire commencer la journée 5 minutes avant. Mais alors là, du coup, c'est les cars scolaires qui ont embarqué en disant, ben, nous, ça nous change tous nos contrats, parce que nous, ben, bref, l'usine à gaz, tu vois, pour... genre la fausse solution. Mais c'est-à-dire que ces profs-là qui sont tout à fait tu vois, sûrs de ne pas avoir appris leur métier sur les bancs de l'école, mais bien sur le terrain, vont s'énerver parce qu'ils vont perdre 5 minutes dans une journée avec les enfants, hein, assis en classe. Tu vois, il y a quelque chose. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce qui se dit dans la salle des profs sorte sur la place publique. Tu sais. On n'a pas assez de moyens, on est trop nombreux dans les classes, on a encore la photocopieuse en panne, tu vois, etc. Et tout ça, forcément, ça se rend jusqu'à l'enfant. Ça crée des stress, ça crée tout ça qui se rendent jusqu'aux enfants. Tous les profs sont prêts à en convenir entre eux, mais alors à la réunion de parents, il ne faut pas le dire. Quoi. Et c'est de cette impasse-là que j'aimerais qu'on sorte, que j'aimerais qu'on puisse mettre sur la table. Si ça vous crée des problèmes à vous, par quel miracle les enfants pourraient y échapper, en fait ? Ouais. Et si ça crée des problèmes aux enfants, alors n'est-il pas temps de réfléchir à une autre façon de faire de l'éducation, tu sais ? Alors, c'est un peu ça. Ça, c'est un exemple. Je pourrais continuer sur un autre, Dali, si tu veux. Mais par exemple... tu sais, il y a eu une étude australienne qui est sortie, je pense, il y a 2-3 ans, qui disait que un enfant de 8 à 12 ans a un niveau de récupération au niveau de l'énergie physique qui est supérieur à un athlète de haut niveau, en fait. Et d'ailleurs, tous les parents, tu sais, ont expérimenté ça. Vous allez au parc, vous jouez au ballon avec votre fils, vous courez partout, vous faites un cache-cache, un truc. Hein. Vous revenez, lui, il s'assoit 5 minutes, il boit un verre d'eau et il est reparti. Quoi. Et dit, ah, tu reviens, on continue. Et toi, tu n'en peux plus parce que tu n'as pas du tout le même niveau de récupération. Tu vois. Donc lui, il est peut-être plus vite fatigué, tu sais. Mais il s'assoit 2 minutes et c'est reparti. Quoi. Donc, on a tous expérimenté ça avec nos enfants en vacances, au parc, en voyage, à la maison, etc. Bon, donc, c'est quelque chose de connu et qui maintenant est documenté scientifiquement par cette étude australienne. Bon, à partir de là, la situation d'assignation à la chaise, à la table, à l'espace, à la classe, où il faut lever la main pour aller pisser, etc., on comprend bien qu'elle est complètement inadaptée, en fait, à cette réalité physiologique de l'enfant qui est un corps qui est fait pour expérimenter, qui est fait pour bouger. Genre, en disant ça,
je pense pas, genre n'importe qui a des enfants, sait que les enfants bougent, expérimentent, touchent, courent, tombent, etc. etc. Je n'invente rien de compliqué là, vous voyez. Bon, eh ben, l'assignation en classe, au bureau, n'est pas une bonne formule. Et les profs le savent, en fait. T'sais. Ils ont dans leur classe l'enfant turbulent qui n'arrête pas de bouger, il est toujours debout, celui-là. Ben, évidemment, il est toujours debout. Son corps est programmé pour faire ça, quoi. Alors, si on pouvait juste se mettre d'accord sur ces deux, trois constats-là, mais il y en a plein d'autres, hein, on pourra peut-être y revenir, et se dire, bon, ben, on a des réalités physiologiques, on a des réalités dont on sait un peu mieux comment est foutu un enfant, en fait. Et puis, on le sait depuis longtemps, hein, Confucius en parlait, Cicéron en parlait, Montaigne en parlait, enfin, je veux dire, c'est Rousseau, évidemment, mais plein d'autres à travers l'histoire. Donc, aujourd'hui, on a les neurosciences qui embarquent là-dedans, tout ça, donc on sait que les intuitions des grands pédagogues se confirment, on peut le vérifier. Bon, ben, si on continue à faire des modèles qui ont été pensés au 19e siècle, si tu veux, on a un problème, quoi. Thierry, tu dis on le sait, mais est-ce que, enfin, on le sait, voilà. Est-ce qu'ils le savent vraiment, les profs, en fait? Est-ce que la hiérarchie leur a montré que c'était quelque chose qui était important de savoir? C'était quelque chose, ouais, qui est important à être pris en compte, en fait? Parce qu'ils lisent des choses comme ça, à droite, à gauche, mais c'est tellement éloigné de leur concret, de leur quotidien. Et ouais, c'est ça. Alors, ça ne descend pas de la tête, dans les tripes. Enfin. Ben, c'est-à-dire que ça arrive peu à la tête, parce que la plupart des profs ne sont... Je vais me faire des ennemis en disant ça, mais... ne sont pas tant des pédagogues que des gestionnaires, en fait. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous leur parlez éducation, ils vous répondent gestion. Tu sais. Et quand vous dites, mais pourquoi vous ne laissez pas l'enfant s'habiller comme il veut? Il dit, ouais, tu sais, quand t'en as 50, tu sais. Et alors, tu sais, je veux dire, chacun pourrait s'habiller comme il veut, tu vois. Mais eux, ils sont en mode gestion. C'est-à-dire que l'école n'a pas été pensée pour apprendre. Elle n'a pas été conçue, pour le dire une phrase, ce n'est pas les enfants qui ont inventé l'école. L'école a été inventée par des adultes pour répondre aux besoins des adultes. Et ce besoin, c'est un besoin d'enseignement, en fait. Mais ça n'a rien à voir avec des besoins d'apprentissage, hein, c'est des besoins d'enseignement. Donc, l'estrade, le tableau connecté, tout le dispositif scolaire est tourné vers l'enseignement et fait pour répondre à un adulte qui s'était posé un problème et qui s'était dit « Merde, j'ai 30 enfants en face, comment je m'y prends ?» Bon, eh bien, on a pensé que s'ils arrivaient tous à l'heure, ce serait plus simple. On a pensé que s'ils étaient tous tournés vers le tableau, ce serait plus simple. On a pensé que si le prof était sur une estrade, ce serait plus simple. On a pensé que s'il y avait un tableau, que tout le monde regarde la même chose, ce serait plus simple. On a pensé que si on mettait tous les enfants du même âge, classés par date de fabrication, ce serait plus simple. On a pensé que si on les évaluait tous le même jour, ce serait plus simple, etc., etc., etc. Mais tout ça, c'est plus simple pour l'enseignant. Mais ça n'a rien à voir avec les processus naturels de l'apprentissage, en fait. Alors, le prof est là-dedans. On lui a même inventé une science qu'on appelle les sciences de l'éducation, mais qui sont en fait les sciences de l'enseignement, voilà, plus souvent qu'autrement. Et donc, on lui a donné des outils par rapport à la dynamique de classe, par rapport à toutes sortes de choses. On lui a inventé la science de l'enseignement et il se sert de ça pour répondre à ses besoins, ce qui est naturel, qui sont l'enseignement. Alors, eux, ils sont en gestion de ça, là, de cette science-là, de cet espace-là, ils sont dans cette gestion-là. Mais quand tu leur demandes, c'est pas des philosophes. D'ailleurs, tu sais qu'en France, par exemple, mais dans beaucoup d'universités, si tu veux réfléchir à la chose éducative, il faut passer un doctorat en philosophie, en fait, pas en éducation. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est les philosophes qui pensent tu sais, au fondement éducatif. Oui. Si tu fais un doctorat en éducation, il ne faut pas t'intéresser au fondement, ce n'est pas ça l'idée. C'est comment la méthode de mathématiques pour le secondaire machin, va être utilisée dans un échantillon d'enfants. Tu vois, les gens, il faut leur doctorat là-dessus, tu vois. Mais ils ne sont pas sur les fondements. Tu vois. Et c'est les philosophes. Tu vois. Donc, c'est ça. Donc, les professeurs sont formés à enseigner, en fait. Et ça ne me dérange pas en tant que tel. Mais c'est juste que quand tu vas essayer de leur poser des questions de fond, et notamment, hier on parlait des hiérarchies, tu sais,
les profs ont encore ce double langage et parce qu'il manque de réflexion sur le fond, en fait. Et il manque alors d'information, de réflexion, de temps de réflexion ou de temps de formation, peu importe. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va avoir les profs qui sont dans un système hiérarchique dont ils sont parfaitement au courant, dont ils subissent les effets, mais vont toujours nier que les enfants leur sont des inférieurs hiérarchiques dont ils imposent ces mêmes effets, en fait, de poids de la hiérarchie, du commandement. Ils savent très bien qu'eux peuvent punir un enfant, mais qu'un enfant ne peut pas les punir. Ça, ils le savent. Mais de là à dire que reconnaître que l'enfant est un inférieur hiérarchique, ils ne le poseront jamais comme ça. Ils diront toujours, la réunion des profs, ben, l'enfant est au centre du système, au cœur des préoccupations. Et puis là, tu as placé le mot centre, enfant, cœur. Tu vois, et tu penses être du bon côté de la force. Mais concrètement, tant que tout va bien et tant que l'enfant obéit, tout va bien. Mais à la seconde où l'enfant désobéit, on voit bien comment s'affirme tout de suite tu ne me parles pas comme ça, tu ne me réponds pas, etc. Oui. etc. Et on voit bien qui a le pouvoir. Tu vois. Donc, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des relations de pouvoir dans la classe. Je veux dire, il me semble que c'est tout à fait évident. Mais il ne faut jamais les nommer, en fait. Et là, on est pris dans une sorte de... Tu vois, de quelque chose qui rend la discussion extrêmement difficile, en fait. Oui, pour aller dans ton sens, excusez-moi, on a un commentaire qui nous est remonté là de nos spectateurs, quelqu'un qui dit qu'il s'agit de l'adultisme structurel de l'enseignement. Et oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, si on veut rentrer dans les détails, c'est que la domination de l'adulte sur l'enfant est à la fois systémique et systématique, en fait. C'est-à-dire qu'elle est... elle est dans chaque geste. Tu sais, Foucault disait, le pouvoir vient se glisser entre le dossier de la chaise de l'enfant et l'enfant. Il vient se glisser entre les doigts qui tiennent le stylo. Quand tu écris, ton corps est monopolisé des doigts des mains aux orteils. Là, tu sais, je veux dire. Donc, le pouvoir vient se glisser dans chaque millimètre de la relation à l'objet que l'enfant a. Donc, il y a une domination qui est systémique, mais il y a aussi une domination qui est systématique. Donc, on parle d'une domination. Tu vois, je prends des exemples de mes enfants, tu vois, mais là, il y a 2 ans, dans la cour d'école, là, il y a des espèces de grosses caisses dans lesquelles ils mettent du matériel. Et évidemment, c'est en temps de monter dessus. Et évidemment, les enfants n'ont pas le droit de monter dessus. Alors, mon fils qui est un grimpeur né, là, mon grand, lui, montait chaque fois dessus. Bon. Là, l'école était finie, il m'attendait, moi j'arrivais, j'étais un peu en retard, donc il m'attendait et il était monté sur la maudite caisse. Et là, la personne qui a l'entretien, le gars, un peu le factotum là, de l'école, donc passe et dit à mon fils, hey, tu descends de là, tu n'as pas le droit de monter là. Et l'IM lui répond, bah, c'est-à-dire qu'en fait, là, l'école est finie. Donc, est-ce que les règlements de l'école s'appliquent après les horaires d'école? Alors, sachant que à Montréal, la façon dont c'est fait, mais dans tout le Québec, les cours d'école sont ouvertes à tout le monde les soirs et fin de semaine. Donc, n'importe qui peut venir jouer au ballon dans une cour d'école, dans n'importe quelle école du Québec. Et donc, dit, ben, du coup, l'école est finie. Est-ce que le règlement s'applique encore? Et donc, là, le gars lui crie dessus. Tu dis, moi, j'arrive à ce moment-là, tu vois. Et là, il le prend, il le pousse contre une barrière. Et une fois qu'il était descendu, il dit, on va aller régler ça chez le directeur. Et ça. Et donc là, moi, je m'interpose en disant, vous comprenez ce que vous faites là avec un enfant là, vous le poussez, tout ça là. Vous comprenez que vous auriez fait ça à n'importe quel adulte, vous êtes viré sur le champ. Là, vous feriez ça à une maman d'élève là. Vous comprenez que vous êtes viré direct là. Mais là, tu te crois autorisé parce que tu es l'adulte. Et oui, et puis il lui dit, moi, on ne m'obstine pas. C'est une façon un peu québécoise de dire, moi, on ne me contredit pas. Alors, tu sais, la question, c'est, est-ce que toi, on ne te contredit jamais personne dans la vie? Ou est-ce que ça veut dire, toi, l'enfant, en situation d'infériorité, tu ne peux pas, parce qu'il y a une domination systémique, et donc tu ne peux pas aller à l'encontre de ce que je te dis. Et pourtant,
l'IEM n'avait pas manqué de respect, il avait juste exposé un cas de dire, là, l'école est finie, est-ce que le règlement s'applique encore ? Donc, c'était assez intelligent, finalement, comme façon de... Bon, ben, l'autre, il s'est énervé, etc. Bon, finalement, j'étais là, ça s'est réglé, donc voilà, là il y a une on voit bien qu'il y a un adultisme systémique en fait. C'est-à-dire que n'importe quel, ça dit que n'importe quel adulte qui aurait un désaccord avec n'importe quel enfant sur n'importe quel sujet aura toujours le dernier mot, quoi. Et donc ça c'est une domination systémique, mais en plus systématique dans chacun des millimètres de la vie de l'enfant à l'école. Il y a juste une question aussi. Il y a quelqu'un qui se demande, mais le dialogue, il est dans l'impasse, mais entre qui et qui ? Voilà. Eh bien, alors, c'est assez simple à répondre. Il est dans l'impasse entre celui qui regarde l'enfant et celui qui regarde l'école. Celui qui est pour la réussite de l'école va toujours avoir du mal à comprendre les besoins de l'enfant. Il est là, et voilà pourquoi. Parce que, en fait, les tenants de l'école prétendent que meilleure l'école est, meilleur l'enseignement est, mieux les profs seront considérés, plus il y aura de matériel, plus il y aura de moyens, et forcément, ça va ruisseler, si vous voulez, sur la liberté des enfants, quoi. Sauf que la théorie du ruissellement, elle ne marche pas très bien, quoi. Je vais vous prendre un exemple assez chaud. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur en l'expliquant, mais on a eu ce pauvre prof là qui a été tué par un gars avec une machette ou je sais pas quoi, et donc est revenu sur le devant de la scène la question de la liberté d'expression, d'accord, c'est bon ça. Alors là tous les profs ont dit on a un droit d'enseignement, on a une liberté pédagogique, voilà le terme, et ça, on y tient, ça, c'est non négociable, on peut pouvoir enseigner ce qu'on veut dans les classes, voici notre liberté pédagogique, et ça, c'est non négociable. D'accord ? Bon. Alors là, on est exactement dans une impasse, parce qu'un prof va considérer que la véritable liberté est la liberté de l'enseignant. Et la liberté de l'enseignant de pouvoir enseigner ce qu'il veut. Et donc, et que cette liberté-là finira, on ne sait pas trop par quel miracle, mais par ruisseler sur l'enfant qui se sentira libre de la liberté de son prof, en fait. Et donc, la liberté sort de la bouche de celui qui parle aux enfants, en fait. Par contre, je n'ai pas entendu un prof, un directeur, un ministre dire... Eh bien, vu qu'on met en place la liberté d'expression, eh bien, dans chaque école, on va créer un Charlie Hebdo où les enfants pourront caricaturer leurs profs, les dessiner à poil ou je ne sais pas quoi, et on va faire du Charlie à l'intérieur de chaque classe où, sans le contrôle de l'adulte, l'enfant pourra vraiment mettre en œuvre sa liberté d'expression. Oui. Bon, ben ça, je ne l'ai pas entendu. Hein. Donc là, voilà l'impasse, voilà exactement un point de friction où pour un prof qui pense enseignement, le fait de donner un cours vaut pour solde de tout compte. Une fois qu'on a donné le cours, ben, la messe est dite, tout est fait. Mais par contre, ça ne va pas jusqu'à l'enfant qui, lui, n'est pas considéré comme une personne digne de liberté, en fait. Alors là, si vous regardez, moi, quand on me dit « je suis pour la liberté d'expression », ben moi aussi, aucun problème. Et donc, je laisse mes enfants. Évidemment que les enfants risquent de dessiner un prof à poil avec une carotte dans le cul et que ce n'est pas très habile, tu vois. Et bien sûr, les enfants devront apprendre qu'il y a de la liberté, mais que cette liberté doit s'accompagner d'une fraternité. Et que moi, mes enfants, par exemple, moi en informatique, je n'y connais rien. Ce qui fait que chaque fois que je touche un ordinateur, il y a toujours mes enfants qui se moquent de moi. Et ils ont le droit de se moquer de moi. Mais ils ne m'insultent pas en se faisant. Ils savent très bien trouver la limite entre se moquer de leur père et insulter leur père. Mais ça, pourquoi ils savent trouver la limite ? Parce que depuis tout le temps, ils ont la possibilité de pouvoir l'exprimer. Et donc, maintenant, à l'âge où ils sont rendus, ils ont très bien compris ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire, où s'arrête, disons, la liberté et où commencerait le manque de respect, le manque de fraternité, le manque d'amour, en fait, entre nous.
Voilà. Donc voilà. Et moi, je me moque aussi d'eux sur certains points quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose ou que c'est chronique. Genre, j'ai mon grand, il est toujours en train de tomber quelque chose et de le casser. Bon, ben, quand ça arrive, je dis bon, ben, voilà. C'est donc, mais ils savent que c'est fait avec tendresse, avec amour, avec tout ça. Et donc, on peut avoir de l'humour entre nous. Voilà. Mais ça, il faut que ça se vive, sinon ça ne s'apprend pas. Et donc, voilà, on est exactement où se passe le point de friction, il est là. C'est donc le fait de ne pas reconnaître aux enfants le droit à la critique, le droit à la critique de l'adulte, en fait, et du comportement de l'adulte. Hein. Voilà. C'est-à-dire que l'adulte revendique ce droit absolu et non négociable, mais pour lui. Mais si, c'est la théorie du ruissellement, en fait. Oui, est-ce qu'à l'école, précisément, c'est l'adulte ou c'est celui qui fait autorité ? Et je ne comprends pas la question. L'interdiction de se moquer à l'école, dont vous parliez à l'instant, est-ce que c'est celle de se moquer d'un adulte ou c'est celle de se moquer de celui qui représente l'autorité ? Je pense que, par exemple, là, encore une fois, on est dans une impasse. Parce que si on faisait ce genre de Charlie Hebdo dans les classes et qu'un enfant se moque d'un policier ou se moque d'un ministre ou se moque tout ça, ça serait autorisé, quoi. Mais effectivement, se moquer de celui qui fait autorité dans l'école, c'est-à-dire le prof, le directeur, etc., ça, je pense que ce serait largement beaucoup plus encadré, en fait. Donc, ouais. Les profs ne sont pas prêts à renoncer au pouvoir qu'ils ont, en fait. Et là aussi, c'est un mot tabou dans les écoles. Ça aussi, c'est un mot qui crée, en fait, des incompréhensions. Les adultes exercent un pouvoir sur les enfants, ce qui, à la limite, n'est pas forcément gênant en tant que tel. Ce qui est beaucoup plus gênant, c'est que ce pouvoir-là n'est pas assumé, n'est pas reconnu. Quand tu leur en parles, ils vont presque te dire qu'ils sont au service des enfants. Mais ils ne sont pas du tout au service des enfants. En fait. Et finalement, reconnaître qu'ils ont du pouvoir, même presque naturellement, parce qu'ils sont grands, ce sont de grandes personnes, les enfants savent très bien que les grandes personnes sont plus fortes qu'elles, ça devrait les inciter à la plus grande prudence, justement. C'est-à-dire, c'est là où on a, tu vois, la différence entre une autorité de statut que les profs revendiquent et une autorité de compétence. Tu sais, moi, la première fois que je suis parti sur un voilier, j'étais avec un gars qui avait fait 3 fois le tour du monde, tu vois. Moi, je n'étais jamais monté sur un bateau, tu vois. Donc, quand il me disait « il faut faire ça », je n'allais pas commencer à lui dire « c'est quoi cet abus de pouvoir ? D'où tu sors avec tes consignes ?» Tu vois, c'est, gars, tu vois, je suis là, j'apprends, c'est moi qui suis venu exprès. Donc je ne vais pas du tout contester son pouvoir qui s'exprime à travers son savoir, en fait. Mais là… Mais c'est donc l'autorité, elle n'est pas de statut. Moi, je donne des cours d'aïkido depuis 15 ans. Les gens ne font pas ce que je leur dis parce qu'ils pensent que s'ils ne le font pas, je vais leur casser la gueule. Tu vois, je veux dire, ils font ce que je leur demande parce qu'ils sont venus pour apprendre l'aïkido et qu'a priori, j'ai un peu d'avance sur cette question-là par rapport à eux et que du coup, ils vont suivre le conseil que je leur donne. Mais à la seconde où ils ne sont pas d'accord, où ils trouvent que ma façon de faire ou je ne sais pas quoi n'est pas la bonne, ils peuvent quitter le dojo. De la même façon que moi, je peux aussi leur demander de quitter le dojo en disant « on n'y arrivera pas », tu vois. Et c'est déjà arrivé dans les deux sens, hein, tu vois. Donc c'est ça. Il y a une autorité qui est liée à la compétence et non pas à des galons, quoi, comme ça pourrait être à l'armée, quoi. Alors qu'à l'école, les enfants, justement, ils ne sont pas libres de quitter l'école si ça ne leur convient pas. Et ouais. Que l'autorité, finalement, le dernier recours de l'autorité, c'est la coercition. Les adultes ont les moyens d'exercer une coercition, une force sur les enfants. Il y a la loi maintenant, et une loi qui voudrait même aller dans le sens de l'impossibilité de sortir les enfants de l'école.
Et que les parents n'aient pas la possibilité d'y rentrer non plus, tu vois. Donc, je veux et dire, oui, on se retrouve dans quelque chose de c'est complètement ça. hermétique, en fait. Et donc, C'est ça. où il n'y aura plus aucun contre-pouvoir à l'autorité Voilà. de l'adulte. C'est ça. Puis, C'est ça. ouais, ça, c'est dramatique, en fait. Je veux dire, c'est-à-dire qu'on nous dit que c'est ça qui va les préparer à la vie en société, tu vois. Sauf qu'en fait, on les met dans un espace où, effectivement, ils n'ont pas la possibilité de partir. Aucun autre adulte que les gens patentés n'ont Tout à fait. autorité pour pouvoir rentrer ou intervenir. Donc, on se retrouve dans quelque chose d'un peu compliqué, quand même, tu vois, d'un point de vue. Et si ça se passe mal entre un enfant et un adulte, et ça arrive, tu sais. Que ça se passe pas bien là. L'enfant, il l'aime pas sa prof là. Il va la voir tous les jours là, pendant l'année. Il l'aime pas, ça marche pas. Et puis la prof aime pas l'enfant. Ça arrive. Moi, j'ai vécu ça Ça arrive, c'est sûr. quand j'étais enfant. T'sais. On se détestait cordialement quoi avec la prof. Et chaque fois que je pouvais l'emmerder, je le faisais. Et c'était réciproque, tu vois. Donc évidemment, j'avais pas les mêmes pouvoirs qu'elle quoi. Et bon, ben voilà, ça c'est terrible, quoi. Ça c'est terrible. Il faut pouvoir sortir de là, quoi. Il faut pouvoir intervenir là-dedans. Donc, je remets pas en doute la qualité humaine ou les compétences des profs. C'est pas ça qui se joue. C'est ce qui se joue, c'est l'obligation d'être soumis à une autorité sous prétexte de te. Et là, tu vois, il y a encore une fois, il y a encore une sorte de double langage, la double pensée là de Orwell. Je ne veux pas tout de suite atteindre le point Godwin de la manipulation, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui est quand même terrible, quoi. Tu vois, à l'école alternative de mes enfants, les enfants ne sont pas punis, tu vois, jamais. Ils sont en rattrapage, tu vois. Voilà. Il n'y a Qu'est-ce que plus de c'est? discipline non plus. La discipline, le mot discipline a disparu de tous les documents de l'école. Il y a le vivre ensemble, tu vois, etc. Donc, ils nous emmerdent, tu vois. Et tu sais, en Amérique, les notes, c'est ABCD, là, t'sais. Alors, à l'école de Akem, il n'y a pas ABCD. Oula, non, nous, on est une école alternative. Il y a nord, sud, est, ouest, tu vois, bon, etc. Ce qui fait que, à un moment Ouais. donné, et donc, simplement nommer les choses, tu vois, juste dire, vous comprenez que là, on n'est pas du tout sorti du schéma, là, on a juste changé les mots, quoi, tu vois. Je veux dire, Tout là, à fait. une fois, l'IM sort du directeur parce que il s'était fait un devoir d'être 10 fois dans l'année dans le bureau du directeur. Puis, quand il a atteint ces 10 fois, il m'a dit, bon, mais mon objectif est atteint, maintenant c'est juste pour le fun. Et donc, c'est une fois, il sortait du bureau directeur, je l'attends dehors, t'as, puis là, je dis, bah alors, comment ça s'est passé? Il me dit, bon, il m'a pris pour un con tout le long. Et je dis, mais comment ça, il t'a pris pour un con? Et bien, il me dit, en fait, moi, je voulais grimper aux arbres, mais finalement, on ne pouvait pas. Donc, il m'a dit, on va négocier, on va, etc. Et tu vois, il a pas les habitudes. Je pense qu'il est un père anarchiste, mais il me dit, mais comment tu veux qu'on négocie, vu que c'est quand même lui qui a le gros bout du bâton? On va jouer aux cartes, moi j'ai pas une carte, quoi. C'est lui qui les a toutes, quoi. Donc comment ça pourrait être une négociation? Et c'est ce terme-là qu'il me prend pour un idiot, en fait. Parce Ouais. que on peut pas négocier. Négocier, ça veut dire un rapport de force. Or là, il y a zéro rapport de force, il a tous les pouvoirs. Donc en fait, j'ai dit, mais tu lui as dit ça? Mais il me dit, mais comment tu veux qu'à mon âge et tout ça, je sois capable de lui dire ça? Jamais il l'entendra. Alors voilà, Ouais. et cette domination systémique, elle n'est pas conscientisée par le monde scolaire, en fait. Alors justement, Et Stéphanie, excuse-moi elle n'y Stéphanie. arrivera pas. Tu voulais placer un truc, hein, Oui, Stéphanie? je voulais dire une petite chose par rapport à l'autorité. Parce que là, on a l'impression qu'on a affaire essentiellement à des enfants quand ils sont petits, quand ils sont assez jeunes. Et justement, on voit souvent qu'en collège, la question d'autorité est souvent très difficile pour les professeurs parce que justement, ils commencent à se retrouver face à des élèves, des jeunes qui commencent à avoir leur taille, qui n'ont plus la même stature. Et c'est là où souvent on crie, enfin, les professeurs ou même parfois les parents, au problème d'autorité. Et voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça une fois que parce que l'instruction obligatoire, c'est jusqu'à 16 ans. Et donc, parfois, ce n'est pas des tout petits qui juste se Mais oui. plient et qu'on peut punir ou taper.
Mais c'est quand même dramatique, si tu veux, qu'on en soit rendu à des questions de force physique. Tu vois ce que ça, c'est exactement ça. On en est rendu à des forces physiques. Hein. Ouais. Ouais. Ça, c'est quand même dramatique. Tu sais, moi, quand j'étais petit, là, je devais avoir 8-9 ans, j'ai entendu une discussion de mon père avec un autre papa. Et le papa avait fait venir chez lui un cousin de 17 ans. Un cousin de ses enfants, là. Bref, un ado, là, un grand ado, alors que nous, on était, tu vois, dans les 8, 9, 10 ans, là, tu sais, dans notre bande d'amis. Et donc, le père dit à mon père, dit, bah, je lui ai demandé de rentrer avant minuit, mais tu sais, à 17 ans, s'il te dit je fais ce que je veux et je rentrerai quand je veux, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? Et moi, j'avais 8 ans, tu vois, mais les questions éducatives m'ont toujours passionné, en fait. Et j'ai réfléchi à cette question-là, tu vois, à cette intervention-là. Je dis, mais effectivement, tu fais quoi, tu sais? Qu'est-ce que tu fais pour que, tu sais, à 17 ans, s'il te fait un bras d'honneur et te dit, tu m'emmerdes, je fais ce que je veux, tu fais quoi? Et la seule réponse que j'ai trouvée à cette question-là, et elle m'a hanté pendant des années, hein, c'est qu'en fait, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu peux faire, c'est de t'arranger pour créer une relation dans laquelle, à 17 ans, il ne fera pas ça. Tu vois, tu peux avoir une relation de confiance, une relation de... pour faire en sorte que, à 17 ans, si tu lui dis quelque chose et qu'il ne soit pas de l'abus d'autorité, quoi, je veux dire, il comprenne. Tu vois. Et je pense que c'est ça que le système scolaire impose une autorité à la fois coercitive, physique, etc. Et à partir du moment où les enfants grandissent et qu'ils n'ont plus même sur le savoir, tu vois, un enfant de 8 ans, bon, ben, tu lui dis un truc, etc. Mais là, un enfant de 14 ans, tu lui dis ça, il va sur son téléphone, il va te dire non, c'est pas ça, vous avez vu. Parce que finalement, le prof ne représente plus que la blouse grise et le tableau, en fait. Parce qu'en termes de savoir, chaque enfant a dans sa poche plus de savoir qu'un prof n'aura jamais, quoi. Donc. Oui. Les profs te répondront que pour le prof, c'est discriminer entre ce qui est une fake news et ce qui est un savoir établi et ce qui est un savoir contestable. Que tout ce qu'on trouve sur le web, c'est un peu n'importe quoi, voilà. Et bien voilà, mais alors c'est parfait, parce que si on s'engage dans un... qu'on sort du poker menteur, qu'on arrête d'appeler des punitions, des rattrapages, etc., et qu'on joue au jeu de la vérité, alors on est en bonne voie de discuter. C'est-à-dire que si on s'autorise à discriminer effectivement ce qui relève du système de langage, de la réalité de l'enfant, du vécu de l'enfant, alors on peut commencer à avoir une véritable discussion. Voilà. Oui, justement, c'est ce que j'allais te dire. Là, on parle de dialogue dans l'impasse. Tu nous expliques un petit peu quels sont justement ces obstacles quand on désigne l'enfant. En fait, on ne s'aperçoit pas du tout de la même chose. Et donc là, de conscientisation, est-ce qu'il suffit de dire toutes ces choses-là? Mais non. Tout à l'heure, on disait qu'on a l'impression de dire des évidences. Tu as évoqué aussi, lors de notre entretien préalable, l'idée de schizophrénie-association. Comment on fait la connexion? Comment est-ce que on peut retrouver ce regard sur l'enfant qui permet de comprendre que c'est un enfant et que les problématiques d'enseignement, les problématiques gestionnaires, c'est quelque chose que lui n'entend pas, justement. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, c'est Bourdieu, c'est Yazid qui m'avait rappelé ça. Bourdieu disait, il n'y a pas de force intrinsèque des idées vraies. C'est ça, il n'y a pas de force intrinsèque. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et effectivement, tu vois, moi, ce que je fais, tu vois, avec mes enfants, c'est de leur apprendre à détricoter ce langage de domination, en fait. Par exemple, tu vois, comme dans les écoles où ils sont beaucoup sur la pédagogie de projet parce que c'est l'école alternative. Et donc, tous les adultes disent, ben en fait, les enfants peuvent faire leur projet. Tu sais. Et je dis, mais en fait, est-ce qu'ils peuvent faire leur projet ou est-ce qu'ils doivent faire leur projet, tu sais. Parce que ce n'est pas du tout la même chose, tu vois. Donc,
Déjà, alors quand j'ai des rencontres avec justement les profs et tout ça, il y a des profs qui ne sont pas parlables. Il y a des gens, je leur fais peur, ils ne m'adressent plus la parole. Mais il y a des gens qui sont quand même ouverts, tu vois, ça. Et donc, je leur dis, ben, regardez, est-ce qu'on peut se contenter de nommer... Alors, c'est là où c'est compliqué. Je ne dirais pas des réalités objectives. Parce que, quelque part, tu vois, par exemple, il y a plein de gens, plein d'adultes qui partent en voyage organisé, tu sais. Ils ne sont plus tout à fait des voyageurs, ils sont des voyagers, tu vois. Et y a des gens dont le métier est de faire en sorte que le repas soit prêt à telle heure, que le spectacle, je sais pas quoi, est prêt à telle heure, et que tout est prêt tout le temps, et que, voilà. Et ben les gens reviennent de là, ils sont ravis, tu vois. Ils ont vécu. Et puis en plus, des fois, tu sais, ça a des noms un peu, tu sais... au lieu d'aller au Maroc voir les villes impériales, tu sais, tu vas de l'autre côté des Atlas, et puis on appelle ça l'autre Maroc authentique, tu vois, etc. Alors, tu vois, et ils vont être ravis, tu vois, de leur voyage et tout ça. Alors que finalement, de tout leur voyage, ils n'auront croisé que le chauffeur du bus. Et s'il était marocain, ils ont croisé un Marocain. S'il n'était pas marocain, ils n'en ont pas croisé, tu vois. Et donc, il y a des gens qui sont contents, en fait, de cette domination. Il y a des gens qui s'y retrouvent. Il y a des gens qui font semblant de s'y retrouver. Là, c'est qui ? C'est Pascal qui appelait ça les habiles et les semi-habiles. Mais c'est ça, il y a des gens qui jouent le jeu parce qu'ils savent que ça va leur rapporter, en fait. Alors, nous... quand on arrive en disant, mais en fait, là, l'enfant n'a pas la possibilité de faire son projet, il a l'injonction de faire son projet, on est des troubles faits, en fait. Voilà, on vient mettre le doigt à des endroits où ça fait mal, alors il faut arriver à le faire avec tendresse et compréhension. C'est pas évident. Tu sais, tout à l'heure, tu disais la liberté qui ruisselle sur les enfants, parce qu'on l'a dit, parce qu'il y a certaines personnes qui évoquent l'idée que pour que les enfants puissent, les adultes, notamment les enseignants, puisque c'est d'eux qu'on parle là, puissent prendre conscience de la domination qu'ils exercent sur les enfants, et une domination, comment dire, arbitraire, c'est-à-dire, enfin, non, je vais enlever sur ça, l'âge, en fait. On parlera de l'arbitraire plus tard, mais est-ce qu'il suffit, voilà, il suffirait de prendre conscience de cette, de la domination qu'eux-mêmes, qui est exercée sur eux-mêmes. Par exemple, tu disais tout à l'heure, les professeurs expérimentent quotidiennement la hiérarchie, le système hiérarchique dans lequel ils sont insérés. Ils expérimentent quotidiennement le fait que des programmes s'imposent à eux, des horaires, un temps limité, la liberté d'enseignement finalement, ils sont eux-mêmes, comment dire, on leur impose un programme, on leur impose des contrôles, ils sont eux-mêmes contrôlés et évalués pour vérifier qu'ils ne montrent pas de blanche. Donc, on pourrait très bien mettre le doigt sur ça et dire, mais regardez, vous êtes vous-même inséré dans un système hiérarchique, il y a des dominations qui s'exercent sur vous, ben, ça ne ruisselle pas, en fait. C'est-à-dire que la domination qui est exercée sur les enfants, c'est un trou noir, vraiment, c'est un trou noir, c'est quelque chose qu'on ne parvient pas à entrevoir. En tout cas, voilà. Il y a un autre travail à faire là. Là, on pourrait dire la même chose. Ça ne ruisselle pas de prendre conscience des mécanismes de domination dans lesquels on est nous-mêmes pris. Ça ne suffit pas parce que… Mais non, parce que ce serait… En fait, là, on rentre dans quelque chose d'un peu psychanalytique, si tu veux. Parce que, tu sais, sur la police à Montréal, la police de l'SPVM, le service de police de la ville de Montréal, sur les voitures, il y a écrit… j'allais dire surveiller et punir, mais non, il y a écrit c'est Foucault, mais il y a écrit protéger et servir. Oui, comme dans les films américains. Ouais, mais c'est ça, c'est, tu sais, to protect and to care, non, c'est ça. To serve, ouais. En tout cas, protéger et servir, c'est écrit sur les voitures, tu vois. Puis à des fois, tu sais, tu te fais arrêter parce que le gars, c'est le croisement piège où il sait que tout le monde, tu sais, etc.
J'ai dit, là, vous êtes vraiment en train de me... La dernière fois, il me dit, ouais, vous avez fait ça. Je dis, non, je n'ai pas fait ça. Il me dit, bah, vous pouvez vous mentir. Je dis, vous savez, moi, je me mens peut-être en disant que je n'ai pas fait ça alors que je l'ai fait. Vous, vous mentez tous les jours en disant que vous protégez, que vous servez. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, vous n'êtes pas du tout en train de faire ça. Tu vois. Et, sauf que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas anodin si dans les rangs de la police, il y a ce niveau d'alcoolisme, s'il y a ce niveau de suicide, s'il y a ce niveau de dépression, s'il y a ce niveau... parce que de maladie mentale, en fait, tout simplement parce que les gens, ils le savent qu'ils sont une schizophrénie, ils savent bien qu'ils sont pris dans un jeu qui leur enlève. Donc, moi, j'ai jamais eu de, tu vois, de velléité de devenir policier, mais je pense qu'il y a des gens qui se disent, mais moi, je veux être policier pour protéger la population, pour être au service des gens, pour et par certains égards, ils le font, tu vois, je veux dire. T'sais, on parlait du Bataclan il n'y a encore pas longtemps et tout ça. Genre, à certains égards, ils le font. Mais à certains égards, ils sont, si on prend, tu vois, les CRS qui tapaient sur, qui crevaient les yeux des gilets jaunes et tout ça, le gars, il rentre chez lui, tu sais, il se dit, putain, mais c'est pas pour ça que j'ai signé, quoi. Et moi, j'en ai des amis policiers qui sont en dépression, tu vois, en disant, mais j'ai pas signé pour ça, quoi. Et le prof, c'est pas... Tu sais, c'est l'accommodation de Piaget, tu vois. C'est-à-dire, à un moment donné, soit tu démissionnes, et ce que font beaucoup de profs, hein, soit tu tombes en dépression parce qu'il y a une dissonance cognitive, soit l'accommodation de Piaget, c'est ça, c'est que tu adaptes le discours. Tu changes pas, tu peux pas changer les faits, mais tu peux changer le discours que tu as sur les faits. C'est l'histoire du renard et des raisins qui, finalement, comme il n'arrive pas à les attraper, il dit qu'ils ne sont pas mûrs. Tu vois. Et là, c'est ça. C'est-à-dire que je reste une bonne personne, je suis toujours au service des enfants, et le fait de me battre pour le syndicat, pour je ne sais pas quoi, hein, là, c'est pour les enfants que je le fais. Mais concrètement, tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai là-dedans. De la même façon, tu sais, on a ça avec les parents aussi. Tu as des parents, notamment des pères, tu vois, qui sont chefs d'entreprise, qui ne sont jamais là, qui voient leur enfant. Je crois, les statistiques INSEE de 2009, c'était qu'un père passait par jour de temps de qualité avec son enfant, c'était 11 minutes, tu vois. Donc, de moyenne, hein, ça veut dire qu'il y en a que c'est zéro, quoi. Et donc... Le père qui, le jour de Noël, finalement, voit ses enfants, leur redemande comment ils s'appellent, parce que ça fait longtemps qu'il ne les a pas vus, tu vois, et leur dit, mais vous savez que je fais tout ça pour vous. Tu comprends qu'il se ment à lui-même, tu vois, en disant ça. C'est moi, quand quelqu'un me dit ça, je dis, ça veut dire que si vous n'aviez pas eu d'enfants, vous n'auriez jamais été chef d'entreprise, en fait. Tu vois, et c'est, on le sait qu'on est dans un mensonge. T'sais. On le sait que punir un enfant, que l'obliger à, que le renvoyer, ou que je sais pas quoi, c'est pas forcément pour son bien. L'obliger à être là à 8h du matin, sinon il faut un mois de retard, ou 3 mois de retard, je sais pas quoi. On le sait très bien que l'enfant, il avait sommeil, il voulait juste dormir. T'sais. Tu le sais, mais tu peux pas te le dire, parce que sinon, tu deviens fou. Quoi, ouais. Alors justement, par rapport au rôle affiché, j'ai une question qui nous a été transmise. Est-ce que le rôle de l'éducation, des profs, du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est-ce qu'il n'est pas aussi de protéger les enfants des maltraitances et des dérives sectaires? Oui, oui. Mais oui, mais absolument. Mais alors là, tu vois, ça, c'est... Comment dire? C'est quand même faux débat. C'est-à-dire, on est vraiment... C'est-à-dire que... Et très d'actualité. Il est très d'actualité, mais c'est un faux débat. C'est-à-dire que... Regarde, je vais encore mettre plus les pieds dans les plats, d'accord? Quand je croise dans la rue une femme voilée, d'accord, que, pour raison religieuse, d'accord, une musulmane voilée, d'accord, je pourrais très bien me dire, en fait, elle est voilée parce que son mari, si elle n'est pas voilée, il la frappe ou je ne sais pas quoi, d'accord? Je peux me dire ça. Je peux me dire que c'est son père qui l'oblige, son mari qui l'oblige, je peux me dire ça. Je peux me dire aussi qu'en fait, elle a choisi de porter le voile, d'accord? Et qu'elle n'est pas du tout opprimée, et qu'au fait, c'est un choix personnel. Tu sais, et, ou que finalement, c'est culturel. Ou que, peu importe, d'accord? Donc, en gros, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, je ne sais pas si cette femme, elle est opprimée ou pas. J'en ai aucune idée. Alors maintenant, si je croise dans la rue une femme qui n'a pas de voile, d'accord?
Eh bien, je ne sais pas si elle est opprimée ou pas. Peut-être qu'elle se fait frapper par son mari aussi. Peut-être qu'elle est opprimée par son patron. Peut-être qu'elle se fait violenter d'une façon ou d'une autre, psychologiquement ou pas. Enfin, j'en sais rien. En fait, je ne le sais pas. Donc, finalement, quand je croise une femme, qu'elle soit volée, qu'elle ne soit pas volée, je ne sais pas du tout. Tu vois, peu importe, ce n'est pas son voile ou pas son voile qui me dit si c'est quelqu'un d'opprimé ou pas. D'accord ? Bon, alors, je me plais à penser que les humains, entre eux, ne passent pas leur temps à s'opprimer de façon systématique. C'est ma naïveté anarchiste. Je me dis que tout le monde est tourné vers le beau, le bien. Mais, et le vrai. Alors maintenant, qu'un enfant aille à l'école ou qu'un enfant n'aille pas à l'école, vous comprenez que c'est exactement la même chose que sur l'histoire du voile. C'est-à-dire qu'un enfant peut très bien aller à l'école et se faire taper dessus par ses parents. Et il peut très bien se faire humilier à longueur de week-end. Il peut très bien... Et que ça, l'école ne le verra pas, ne le dira pas, parce que sinon, il n'y aurait pas autant de suicides, etc. Tu vois. Donc, et un enfant peut rester à la maison et être très heureux et très en harmonie dans son cadre familial ou pas. Alors après, qu'il y ait des institutions qui vérifient que des enfants ne soient pas en souffrance, tant mieux, parfait. Mais vous comprenez que ça n'a rien à voir avec la question d'aller à l'école ou de ne pas aller à l'école. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est ça. Alors, il faut préserver les enfants des dérives sectaires, mais si l'école préservait des dérives sectaires, je veux dire, ça se saurait. Parmi tous les gens qui, très peu de gens, malheureusement, enfin heureusement très peu, mais qui malheureusement font beaucoup de dégâts, qui mettent des bombes ou qui tuent des gens, la question n'est pas, personne ne s'est demandé est-ce qu'il a fait l'école à la maison ou est-ce qu'il est passé par le système institutionnel. Si on s'était posé la question, on verrait qu'ils sont à peu près tous passés par le système institutionnel. Donc c'est des questions, en fait, que l'enfant aille à l'école ou qu'il n'y aille pas. Il faut essayer, en tant que société, de s'arranger pour que les enfants ne souffrent pas. Mais voilà, rien à voir avec l'école maison, en fait. Thierry, je vais te poser une question à deux balles. Hein. parce que là, tout à l'heure, on parle de dialogue. On ne peut pas dialoguer. C'est dans l'impasse. Tant qu'on ne s'est pas mis d'accord... sur ce dont on parle, sur les souffrances qui sont derrière, sur les violences qui sont imposées, sur le fait qu'un enfant a besoin de ci, de ça, on ne pourra pas avancer. Et en même temps, tu nous dis que les gens ont des expériences qui sont contradictoires avec ce à quoi ils croient, et donc ils se suradaptent, etc. Et du coup, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver parce que c'est finalement... Enfin, nous, en tout cas, on ne peut rien. On peut rien faire pour ça. C'est à chacun de prendre sa responsabilité et de gérer cette dissonance et de dire stop. Sauf que, en attendant, ces personnes qui ont le pouvoir de nuire, en tout cas de faire du mal aux autres, eh bien... elle continue. Donc, on a cette liberté pour l'instant en tant que parents de faire en sorte que nos enfants ne souffrent pas des névroses des autres. Cette liberté nous sera peut-être retirée puisque c'est le projet du gouvernement actuel. Moi, j'ai le sentiment qu'on a posé les conditions de possibilité du discours, soit, sauf qu'il faut aller au-delà de poser des conditions de possibilité. Pour l'instant, on a les moyens de dire bon, à quoi ça sert de dialoguer. De toute façon, on peut se passer de ce dialogue en… Mais quid si, à un moment donné, on ne pourra plus avoir ce levier-là qui est de ne pas mettre nos enfants à l'école et on n'aura plus ce levier-là. Et donc là, le dialogue étant manifestement, j'ai pas envie de dire impossible, j'ai pas envie d'y croire. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Comment on fait là? Tu sais, écoute, c'est la question que je me pose moi depuis 2 ans concrètement tous les jours, parce que comme mes enfants ont été forcés à aller à l'école, moi je dois m'accommoder avec ça.
Je pense que concrètement, il y a des gens parlables et il y a des gens pas parlables. Parmi les gens parlables, on peut arriver à avoir vraiment des discussions sur lesquelles il faut y aller vraiment avec beaucoup, parce que c'est comment dire, mais beaucoup de profs sont en souffrance en fait. Et donc, il faut y aller avec modestie, il faut y aller avec gentillesse, il faut y aller avec tendresse, il faut y aller avec compréhension. Patience. Avec beaucoup de patience, avec beaucoup de méticulosité, et aborder les gens en leur disant « je ne suis pas votre ennemi, là, c'est, je ne suis pas là pour vous… » Voilà, simplement, voilà, là, dans le cas qui est en train de se passer là, dans la situation où on est, si on regarde les choses de façon un petit peu froide, ça, on se rend compte qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Écoute, moi j'arrive à, par exemple, tu vois là, mon fils qui est au secondaire et qui est obligé au Québec là, de porter un masque, l'autre jour il l'a enlevé, puis il s'est fait comme punir, et puis le surveillant là, lui a dit, bon ben si tu veux pouvoir respirer sans le masque, dis-moi-le, puis je vais t'emmener dans une salle ou je sais pas quoi. Et ils sont quand même compréhensifs, tu vois, au Québec. Mais mon fils lui répond, mais je ne vais jamais vous demander l'autorisation de respirer. Tu vois, je veux dire, je me passe de vos dispositifs, tu vois. Si j'ai besoin de respirer, je vais respirer, quoi. Tu vois. Et donc, bon, je suis allé voir la directrice, tu vois. Et je dis, vous comprenez que vous... Et elle commence à retirer, comme on a 200 élèves. Non, mais ça, je m'en fous. Ça, c'est votre métier de directrice qui devait gérer une école. Moi, je vous parle de relations d'humain à humain. Mmh. Qui oserait dire à quelqu'un, est-ce que vous admettriez que vous puissiez respirer sur mon autorisation ? Vous admettriez jamais ça pour vous. Donc, comment vous pouvez l'admettre pour les enfants ? On s'est quitté amis, en fait. on s'est quitté copains, quoi. Et je lui ai dit, ben, vous voyez, je comprends que vous... ce qu'elle me dit, par exemple, tu vois, c'est là où c'est touché. Elle me dit, moi, mais il y a plein d'enfants qui ont peur d'attraper le Covid. Là. Oui. Et donc, c'est pour les enfants, ceux qui ont peur, qu'on. Je dis, bon, je comprends que vous privilégiez ceux qui ont peur plutôt que ceux qui n'ont pas peur. Ça. Donc, ça, c'est encore des choix de gestion, et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais vous comprenez que moi, dans ces situations-là, s'il y a plusieurs jours où on ne vient pas, vous saurez pourquoi. Tu sais, je n'ai pas besoin de me justifier. Quoi. Et elle m'a dit, oui, je comprends très bien. Donc, on arrive à avoir ce dialogue-là, tout simplement de dire, vous voyez, vu ces conditions-là, sinon, on ne vient pas jouer le jeu, et qui sont vos questions de gestion, et que moi, je ne discute pas, je ne suis pas directeur d'école, je ne veux pas. Tu sais. Donc, vous avez ces enjeux-là, moi, j'en ai d'autres, c'est que mon enfant puisse respirer. Tu vois. Donc, on ne viendra pas, quoi. Tu vois, et c'est pareil pour le fait d'arriver en retard parce qu'on avait sommeil, ou le fait de pouvoir manger quand on avait faim, ou le fait de... Alors, voilà, on arrive à trouver... Et quelque part, ça vient quand même, je le sais, parce qu'avec un peu, ça fait déjà 2 ans, là, ça vient grignoter quand même quelque part un petit peu le fondement, en fait, de comment dire, les directeurs et tout ça, ou même les profs que je rencontre, ils disent, ouais, je comprends que là, c'est pas normal, quoi, c'est ce qui se passe. Là, et donc voilà, donc... on arrive, mais ça ne va pas vite. Hein. C'est du... Il y a des profs qui m'écrivent, encore quelqu'un qui m'a écrit ce matin, mais pourquoi vous n'essayez pas de changer le système de l'intérieur, etc. Parce que c'est une vie, quoi. Parce que l'enfance de mes enfants, c'est maintenant, quoi. Oui. En tant que, je dirais, un peu professionnel de l'éducation, je peux faire mon maximum pour que les choses changent au niveau systémique, mais en tant que papa, je n'ai pas le temps. Non. Ouais. Vous voulez continuer une petite question? Oui. Ouais. Est-ce que l'autorité est une violence éducative ordinaire? Pour revenir au sujet de l'autorité dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, en fait, ça dépend de quelle autorité on parle. C'est-à-dire que, comme je parlais tout à l'heure de mon capitaine de bateau, son autorité n'était absolument pas une violence éducative, en fait. Parce que moi, je lui reconnaissais toute son autorité. Si maintenant, évidemment, il m'avait crié dessus comme... tu sais, bon, ben là, j'aurais dit, on se calme le pompon, là, mais
Moi, j'essaye de faire en sorte, alors je ne dis pas que j'ai réussi tout le temps, hein, je ne suis pas du tout le père parfait, mais de faire en sorte que l'autorité que je peux exercer sur mes enfants, parce que par mon âge, par ma stature, par, puis ils savent ce que je fais dans la vie aussi, tout ça, ne soit jamais une autorité déconnectée d'un besoin réel. Par exemple, si je leur dis, s'ils veulent aller au cinéma à l'époque où, vous savez, les cinémas, vous vous rappelez, c'est un truc qui existait il n'y a pas si longtemps. s'ils veulent aller au cinéma et que le film commence à 14h, à 13h30, je leur dis, là, les gars, il faut s'habiller. T'sais. Sinon, on va rater le film. Quoi. Mais ce n'est pas parce que je suis le père, que c'est moi qui ai parlé, que je suis l'adulte. C'est juste que si on n'y va pas, on va rater le film. Tu vois. Donc, c'est pas mon autorité en tant que personne, c'est parce qu'on a décidé d'aller au cinéma, qu'on a acheté les billets, et que maintenant qu'ils sont achetés, ce serait quand même bien qu'on arrive à l'heure. Là, par exemple, mon fils, je sais pas s'il a 14 ans, alors je sais pas s'il y a des histoires d'hormones là-dedans ou je sais pas quoi, mais il a jamais froid. On est à Montréal quand même, hein, on a des... Donc lui, il disait, moi, jusqu'à 8 degrés, promener en t-shirt, c'est correct. Ben, Mon truc, c'est de lui dire en tant que père, ben, prends ta veste dans ton sac, tu sais, au cas où t'as froid, tu sais. Des fois, il me dit, ouais, non, tu sais, regarde, c'est pas gros, tu peux la prendre avec toi. S'il insiste qu'il veut pas, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, c'est-à-dire que lui, il a des sensations physiologiques de chaud, de froid, etc., qui sont différentes des miennes, forcément. Bon, eh ben, à partir de là... Je ne peux pas me prétendre... C'est-à-dire, je peux parce que je suis bienveillant, parce que j'aime mon fils, je ne veux pas qu'il soit malade. Donc, je lui propose de prendre sa veste. Mais de la même façon que je ferais ça à ma mère si elle venait visiter Montréal et que je lui dis, bah là, tu sais, dehors, il fait quand même froid, je te conseillerais de prendre ta veste. Maintenant, si elle ne veut pas, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc, de la même façon, je vais être bienveillant, mais c'est pas, je ne vais jamais exercer une autorité... En tout cas, je vais essayer, parce que ce n'est pas évident, mais une autorité de statut, en fait. Voilà, une autorité de « c'est moi l'adulte, c'est moi qui ai parlé ». Voilà, ça, en tout cas, je ne me souviens pas l'avoir fait, je l'ai peut-être déjà fait là, mais en tout cas, je suis vigilant à ne pas le faire. Quoi. Alors, il y a une personne qui nous regarde qui demande « comment on fait quand nos enfants sont confiés à des enseignants qui malmènent les enfants ?» et auquel on ne fait pas confiance et que l'enfant n'est pas bien. Elle dit, je ne confie pas ma voiture, mais je dois confier mon enfant à des personnes qui sont maltraitantes. On et peut ouais. faire quoi? Alors, j'imagine que la personne qui pose la question est dans une situation où elle n'a pas le choix que de mettre son enfant à l'école parce que la société est organisée de telle manière que... voilà, elle considère qu'elle doit aller travailler ou voilà, enfin, quelles que soient les raisons, mais voilà, j'imagine que c'est ça. Donc quand on est dans une situation où on pense qu'on n'a pas le choix de mettre son enfant à l'école. Ouais. C'est compliqué, à part aller voir directement l'enseignant, tu vois, et lui mettre le doigt sur ses... Tu vois, par exemple, une fois, une prof m'a dit, ah, mais l'IM a des problèmes de discipline, tu sais. Non, en fait, c'est vous qui avez des problèmes pour discipliner l'IM. C'est en fait. Déjà, on va remettre la phrase dans le bon sens. Et deuxièmement, c'est parce que vous considérez que vous avez des supérieurs hiérarchiques et que donc l'IM, même si vous ne l'avez jamais posé comme ça, est votre inférieur et que finalement, à partir du moment où il ne se comporte pas comme un inférieur hiérarchique, c'est-à-dire qu'il n'obéit pas aux ordres, ça vous pose des problèmes de gestion et de discipline. Et j'ai dit, mais en fait, à la seconde, vous allez arrêter de le considérer comme un être inférieur, vous allez voir, ça va mieux marcher, quoi. Tu vois, alors, et c'est ça, tu vois, c'est d'arriver à poser des raisonnements, à poser des mots directement avec les gens. Je trouve que ça a une bonne... Je vous raconte une anecdote vite fait, là, mais une fois, je rentre dans... Je vous jure que c'est vrai, hein, sinon, ça n'aura aucun intérêt. Je rentre dans l'école, parce que moi, je peux rentrer n'importe quand dans l'école, l'école alternative. À l'époque, là, avec le Covid, c'est différent, mais avant, je pouvais faire ça. Et je rentre, je vois tous les enfants de l'école, tous, assis par terre dans le gymnase, en rond, et tout autour du groupe d'enfants, les adultes, tous les adultes de l'école, assis sur des chaises, tout autour d'eux, comme ça.
Et alors, et il parlait, je vous le donne en mille, du vivre ensemble et du manque de respect que les enfants avaient par rapport aux adultes, etc. Et donc, les enfants disaient, ben, si on fait une bêtise, on pourrait être plus punis, tout ça. Et à un moment donné, l'IM se lève et dit, là, on parle de punition, là, mais si je comprends, ça ne concernera jamais que les enfants. Les adultes, eux, ne sont pas visés par les punitions. Eux ne font pas d'erreur, quoi. Alors, c'est là où ils sont forts. Merci Liam pour ton intervention. Oui, prochaine question. Tu vois. Et à un moment donné, moi, j'ai explosé, pas tant pour ça, mais je regardais cette scène-là. Je dis, mais là, vous faites un truc sur le vivre ensemble avec tous les enfants assis par terre et tous les adultes sur des chaises autour. Je dis, mais j'ai donc bien hâte que vous fassiez une discussion sur le féminisme avec que des femmes assis par terre et tous les hommes assis sur des chaises autour ou sur le racisme, les noirs par terre et les blancs sur des chaises. Quoi. Je veux dire, c'est ça, le vivre ensemble. Et tu vois. Bon, alors ça, le directeur, tu vois, il me dit, ouais, bon, non, c'était pas ça le but. C'est peut-être pas ça le but, mais vous comprenez que là, vous instaurez une domination physique. Parce que parmi les enfants, il y est aussi le petit gros qui est mal assis par terre et qui aurait aimé mais avoir une chaise, tu vois. Exactement. Dire, ils sont pas tous sveltes et ils n'ont pas fait 8 ans de danse. Et eux, assis par terre, ça leur va, tu vois. J'allais te dire, nous, les adultes, on est vieux, on a mal aux os, on a besoin de s'asseoir sur des chaises. Ouais, ça pourrait être présenté comme ça, hein, en mais, fait. Mais, c'est ça qui a été dit. La raison pour laquelle je suis sur une chaise, c'est parce que moi, je ne suis pas confortable assise. Et effectivement, les enfants peuvent très bien ne pas être confortables assis par terre et aimeraient mieux être sur une chaise, bien sûr. Ben, ça, tu vois, cette intervention-là que j'ai eue auprès de tous les profs en même temps, c'est à partir de là où il y en a qui ne m'ont plus parlé. tu vois, je suis sûr que ça, ils ne l'ont plus refait, en fait. Ouais. Je pense que ça, quand même, c'est arrivé un peu au cerveau, là, quand même, tu vois. Ouais, tu penses, hein. Parce que là, vous avez, tu vois, une configuration physique qui ressemble à un marché aux esclaves de Mauritanie au XVIe siècle, tu vois. Donc, à un moment donné, tu vois, vous ne pouvez pas parler de vivre ensemble, là, tu vois. C'est juste pas possible, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il y a pas mal de recherches chez les universitaires, les sociologues, les anthropologues, en général les chercheurs en sciences humaines, sur ces mécanismes de domination, de la domination adulte? Ça, c'est un sujet dont on va parler un petit peu plus en détail la semaine prochaine, ici, aux États généraux de la liberté éducative. Et je me rappelle d'un commentaire qui avait été fait par... dans la revue Questions féministes, au sujet du livre d'Yves Bonnardel, La domination adulte, l'oppression des mineurs, qui disait que nous, on est là, les féministes, en train de questionner les mécanismes d'oppression, le sexisme, etc. Et elle avouait qu'en lisant La domination adulte, elle s'était pris une claque. Parce que pendant qu'elle luttait contre les oppressions masculines, et elle avait complètement zappé la plus structurelle de tous, parce qu'on a tous été des enfants, on n'est pas tous des femmes, on n'est pas tous des noirs, on n'est pas tous des homosexuels ou autre, des homosexuels, enfin voilà, mais on a tous été des enfants et c'est quelque chose qu'on a tous subi et du coup on est tous frappés d'amnésie à cet endroit-là. Et alors bon, moi je viens de citer Yves Bonnardel, dans le milieu des unschoolers, des parents qui pratiquent l'instruction en famille, notamment la branche libertaire, comme on la nomme parfois, il y a beaucoup de... Enfin, on est conscient de ces choses-là, on fait ces remises en question-là. Mais je me demandais dans la recherche, Olivier Morel parle du trou noir dans les sciences humaines en ce qui concerne la violence éducative ordinaire. Olivier Morel et les membres de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire sont de plus en plus en train d'orienter leur définition de la violence éducative ordinaire, en tout cas d'intégrer ce mécanisme de domination adulte dans cette définition-là. Et du coup, ma question c'était, est-ce que tu penses que ça bouge? Et si c'est le cas, est-ce que ces travaux-là sont lus, sont entendus? Parce que justement, puisque les professeurs sont aussi orientés vers les sciences, vers les savoirs, etc., peut-être que des recherches en université pourraient permettre de prendre conscience de tout ça.
Ben, je ne suis pas très optimiste par rapport Non, à ça. Je ne pense pas que d'accord. ce soit l'université que ça se joue. Je pense plus que tu vois, un livre comme celui d'Elphi ou celui de. Tu sais, Elfie Reboulot, qui a écrit un Oui. bouquin qui s'appelle Qu'est-ce que l'agisme? Et que. Oui. Il y a Ouais, celui donc d'Evelyne merci. aussi. Bon, Celui d'Evelyne Oster, ouais. ouais. Ben, en fait, qu'on est plus parce que dans le cadre. Tu sais, Ivan Illich, il était, c'était un curé, hein, tu sais, Ivan Illich. Les gens ne le savent pas, mais Ouais. c'était un prêtre, hein, Ivan Illich, jusqu'à la fin de Oui, sa vie. oui. Mais, et puis, en plus, c'est un gars, il parlait 8 langues, enfin, je vois, c'était quand même un grand intellectuel. Il aurait pu être pape, le gars, tu vois. Je veux dire. Mais finalement, il a remis en cause l'autorité de l'Église en tant que telle, et donc, ils lui ont trouvé le placard à Cuernavaca, là. Mais voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas dans le cadre de l'institution qu'on remet le plus facilement en cause l'institution, en fait. Je me rappelle une fois, à l'université, il y avait eu un événement, puis je présentais mes livres, et il y a une fille qui passe, qui voit mon livre, Une éducation sans école, et elle me dit, Ah ben là, c'est curieux, parce que moi, j'étudie en sciences de l'éducation, on m'a jamais parlé de vous. J'ai dit, Ben, c'est parce que c'est le dernier endroit où on va t'en parler, tu vois, je veux dire, Ouais. globalement. Et en plus, il y a un deuxième truc qui est, je pense, très important. C'est que les profs se battent en ce moment-là. Moi, j'ai des amis, j'ai une amie notamment là qui est au syndicat, je pense c'est Sud ou je sais pas quoi en France, en fait, tu vois, qui est très très impliquée d'un point de vue syndical au niveau des profs qui instite là, tu vois. Et donc, elle me dit. Mais il faut voir tout ce qui nous tombe dessus. Là, on se bat en ce moment pour justement la liberté d'enseignement, enfin, on se bat pour. Là, ils veulent interdire les manifestations, ou je sais pas quoi. Enfin, ils se battent sur tout un tas de trucs et ils voient leurs conditions, mais ils ne voient plus celles des enfants. Un truc incroyable, mais vrai, tu vois, en 2010, à l'UQAM avait lieu un colloque sur la souffrance scolaire. Là, je dis, ben waouh, super, là, je vais y aller, tu vois. Moi, je m'attendais, tu vois, à ce qu'on parle tu vois, de la phobie scolaire, avec ça. Eh bien, crois-le ou non, on n'a parlé que de la souffrance des profs. Et on est mal considéré, on est mal payé, machin, puis en plus les parents, puis et voilà. Et c'était la réunion syndicale, quoi, tu vois, en fait. Et c'est là que j'ai compris que ça allait être compliqué, quoi, tu vois, le truc. Ouais. Et C'est comme donc... le Grenelle de l'éducation Ouais, c'est ça. qui a été mis en place par Blanquer. Il s'agit de parler des problèmes de l'éducation nationale, des problèmes de profs, quoi, C'est d'organisation, ça. de gestion, et Mais pas du tout de. Ouais. et C'est quand pour je ça dis qu'on est c'est là, pas nous. C'est pour ça qu'on est ben là, nous. oui. Quand je dis c'est pas les enfants qui ont inventé l'école, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'école a été conçue pour répondre à des préoccupations d'adultes. Et donc quand on ressort les problèmes, quand on ressort etc., de gestion de classe et c'est quand j'étais en doctorat là, je m'étais encore fait remarquer dans la classe parce que j'étais le seul qui n'était pas prof en fait dans la classe parce que tous les autres étaient des profs en formation continue et les profs du doctorat étaient des profs. Et là, il y a des discussions de, ah, alors moi j'ai 3 troubles de je sais pas quoi, moi j'ai 4 comme ça, moi j'ai 2 autistes, moi j'ai 3 trucs. Tu sais, ils en parlaient, tu vois, c'était quasiment le concours de celui qui avait le plus de problèmes, tu vois, dans sa classe. Et je m'étais dit, mais moi, j'ai des amis tu vois, éleveurs, tu vois, avec des vaches sur l'Aubrac, là, Sébastien, si tu nous entends, qui parlent de leurs vaches avec plus de tendresse que ce que vous parlez des enfants, quoi, tu vois. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de faire le concours du prof héroïque sur le dos d'enfants dont on ne connaît même pas le nom, en fait, tu vois. Et donc, il y a un aveuglement paradigmatique et on sait comment... C'est ça qui crée la difficulté de dialogue. Comment dire, on va remettre en cause toutes les modalités de l'école, mais jamais sont bien fondées, jamais. Et c'est un aveuglement paradigmatique. Et ça, tu sais, c'est Edgar Morin qui disait que le paradigme, c'est à la fois souterrain et souverain. Et il n'y a pas d'en dehors de ce paradigme-là. Et c'est très, très compliqué, quoi. Alors, je veux pas finir en disant, bon, ben, on n'y arrivera pas, on ne dialoguera pas. Mais disons que hier, je disais un peu dans la soirée d'introduction, il faudrait comme dépolitiser. En fait, c'est surtout que Alors, je pense que la dimension politique est extrêmement importante. Mais je crois qu'on va avoir des accroches par ces micro-espaces sur lequel, disait Illich, il est possible de s'entendre sur la poursuite du bien. Voilà.
je crois qu'on peut créer ces micro-moments, ces micro-espaces pour dire, regardez, là, il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. Là, ouais. Voilà. Et là, on peut... Mais voilà, c'est un travail de fond. De fourmi. Hein, c'est un travail de fourmi. Ouais, et nous, on a envie que ça avance tout de suite. Alors justement, tu as évoqué un petit peu la politique. Là, ça me donne l'occasion de revenir à une des premières questions qui nous avait été posée par... un de nos spectateurs, j'aime pas dire le mot spectateur, vous avez trouvé mieux, merci, au sujet de alors ce dialogue, on a commencé à parler de ça en présupposant que évidemment on parlait du dialogue entre les profs et les parents qui voilà, et les parents. Et puis en fait, on s'aperçoit que ces professeurs sont eux-mêmes soumis à des logiques de domination, que dans la hiérarchie, bah, ils sont en bas, enfin, en tout cas, ils ne sont pas tout en bas, mais ils ne sont pas en haut, que ce n'est pas eux qui décident. Et du coup, on se tourne vers qui ? On se tourne vers le sommet de la hiérarchie, qui les politiques. Et du coup, on se dit, bah, est-ce que ce n'est pas eux qu'il faut, c'est pas avec eux qu'il faut instaurer un dialogue ? Est-ce que ce n'est pas est-ce que c'est pas eux qu'il faudrait convaincre ? On se rend compte qu'il y a des alliés dont on pense qu'ils pourraient être nos alliés naturels, à savoir, je sais pas, la gauche. Et on s'aperçoit que non, mais vraiment pas du tout. Mais non. Parce que ça, c'est une myopie qui, écoute, moi, me laisse toujours pantois. C'est-à-dire qu'à gauche, y compris Mélenchon, par exemple, il est tout à fait ouvert à un bouquet de solutions en ce qui concerne l'alimentation, l'énergie, le transport, l'agriculture. Mais l'éducation, c'est à l'école. Il y a quand même quelque chose qui est formidable, tu vois, là-dedans. En fait, une des pistes, moi, que j'aurais, c'est d'arriver à solidariser les enfants des profs. De dire, tu sais, vous êtes des compagnons de misère à l'école. Tu vois, et que... Mais ils savent très bien, ça, qu'ils sont des compagnons de misère. Hein. Ouais, mais c'est-à-dire que les luttes, que ne pas perdre de vue que derrière les luttes que les profs mènent, il y a les enfants. Je sais que dans leur discours, c'est ce qu'ils disent. On ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour les enfants. Ouais. Mais en fait, concrètement, on parle beaucoup de conditions de travail, on parle beaucoup de rattrapage salarial, on parle beaucoup de toutes ces choses-là, tu vois, qui n'ont pas un rapport forcément. Et donc, que ces oppressions-là, il n'y a pas... Les enfants n'ont pas d'échappatoire. C'est ça. Le sentiment, tu disais tout à l'heure, le sentiment d'oppression que les profs ressentent ne ruisselle pas, c'est-à-dire non. Sur les... Mais en fait, l'oppression, elle, ruisselle, par contre. C'est-à-dire oui. Que... Voilà. Tout et donc, leur faire comprendre que... Moi, écoute, c'est ma lutte depuis des années, que ma liberté s'arrête ou commence celle des autres, là, j'ai toujours trouvé que c'était une connerie, tu vois. C'est-à-dire qu'on est libre ensemble ou on ne l'est pas. Tu vois, c'est exactement ce que disait Freddy tout à l'heure. Ma liberté englobe celle des autres, elle ne s'y arrête pas. Mais ouais. C'est ça, on est libre ensemble ou on n'est pas libre. Mais oui, bien sûr. C'est pas un gâteau qu'on partage, tu vois. C'est pas un gâteau qu'on partage. C'est que si ma part est plus grosse, ça veut dire que la tienne est plus petite, tu vois. Genre, ouais. C'est pas ça. Et donc, soit les écoles sont des espaces de joie, de bonheur, d'apprentissage pour tout le monde, soit ils le sont pour personne, en fait. Et c'est là-dessus qu'on peut arriver à se solidariser, enfin à faire solidariser comme frère de la côte, comme compagnon de galère, les enfants et le personnel enseignant, quoi, et de l'école, quoi. Ouais. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a un écart réel, pourquoi on n'a pas ces alliés de la gauche parfois, souvent, parce qu'il y a la mission qu'on a attribuée à l'école avec ses grandes valeurs, et puis à la réalité de ce qu'elle est. Et est-ce que c'est parce qu'on s'accroche coûte que coûte à ces valeurs que soi-disant l'école... va transmettre, ou en tout cas la mission qu'on lui a donnée, et que s'il n'y a pas cette école, et ben du coup, on ne pourrait plus transmettre de façon égalitaire à tout le monde.
Et si on ne défend pas cette école, et ben quelque part, on ne défend pas ses valeurs. Ouais, alors en fait, je comprends très bien. Le problème, c'est que l'école qui est défendue n'est pas l'école qu'on vit ici, maintenant et entre nous, en fait. Ce n'est pas celle-là qui est défendue. Celle-là qu'on nous rétorque tout le temps, on nous rétorque ces valeurs portées par l'école. Oui, mais sauf que quand tu analyses un peu plus finement le discours, c'est que on va toujours mettre de l'avant soit l'école d'ailleurs, tu sais, le système finlandais, suédois, l'école de Singapour, la Corée, soit l'école d'avant, là où il y avait les vraies leçons, il y avait un respect de l'enseignant, la blouse grise, etc. Soit l'école du 21e siècle, l'école, de celle qu'on aura un jour, on ne la voit pas, mais on l'aura un jour. Ça, c'est sûr. Soit, alors, après, quand ce n'est pas carrément du slogan, du genre l'école de l'excellence, l'école de la confiance, l'école de tout ce que tu veux, là, l'école du savoir-vivre ensemble, ou l'école de... Enfin, tu vois, tous les slogans ministériels. Là, c'est... Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire, l'école de la confiance, d'ailleurs. Ouais, toujours pas compris. Eux non plus. mais bref, c'est-à-dire que tout ce qui est valorisé, c'est toujours une école... qu'on ne voit pas, qu'on n'a jamais vu, qui est ailleurs, qui est loin, qui est avant, qui est après. Mais alors, l'école d'aujourd'hui, ici, maintenant, entre nous, c'est la merde parce que la photocopieuse, elle est encore en panne. Tu vois ce que je veux dire ? Et alors, c'est ça. Ça aussi, c'est une espèce... Les gens s'accrochent à l'idée de cette école telle qu'il faudrait qu'elle soit. Mais voilà, quoi, le bonheur, c'est comme l'avenir, c'est pour plus tard. Quoi, tu vois et voilà, et donc ça aussi, si on arrive, tu vois, dans la liste des impasses, tu vois, des difficultés au dialogue, celui-là, ça en est un, encore une fois. C'est parce que, par exemple, quand les gens te disent, quand tu dis à quelqu'un, ouais, non, mais là, regarde, il y a des enfants qui souffrent, il y a toujours un prof qui te répond, non, mais c'est sûr que dans l'école telle qu'on l'est aujourd'hui, je comprends que... Dans l'école actuelle, je comprends que c'est pas... C'est vrai. Mais oui, mais l'école actuelle, celle d'hier, c'était aussi l'école actuelle. Et il y a toujours cette école actuelle qui ne marche pas, mais on fait toujours référence à ces écoles un peu partout ailleurs, avant, après, qui, elles, marchent. Et donc, on s'accroche à cette idée-là. Ouais. Et donc, ça aussi, ça crée des difficultés de dialogue, en fait. Très bien. Juste pour répondre, juste, excuse-moi, il y avait comme une deuxième partie là où on disait, tu disais Stéphanie, l'idée que, oui, mais c'est l'école de l'égalité des chances, ça aussi c'est encore un slogan, etc. Et que du coup, si on n'y participe pas, c'est quand même l'école de la République, et c'est l'école pour tous. Alors, oui, c'est l'école pour tous, mais c'est pas l'école pour chacun. Tu vois, il est là le problème. Voilà, c'est que et à ce moment-là, vaut-il mieux rester sur le Titanic pour tous ou sur le canoë pour chacun? Je sais pas, tu vois. Mais oui, mais souvent, du coup, on ramène le problème à l'enfant ou à la famille. C'est parce que l'enfant est mal élevé, c'est parce que pose problème, c'est parce que on remet pas en question. Ah ben oui, parce que le problème des enfants, c'est les parents, ça c'est bien connu. C'est pour ça que là, on interdit l'instruction en famille. J'écrivais hier, mais moi, je trouve que vraiment, c'est un peu pauvre comme projet. Je pense qu'il faudrait aussi interdire les voyages en famille, puisque je veux dire, on peut aller se contaminer, tu vois, dans des pays où il n'y a pas trop d'églises, tu vois. Il faudrait interdire les repas en famille aussi, parce que je pense que, tu vois, c'est là où on croise le beau-frère. Ça a été proposé, hein. Pas de bisous, pas de, ouais, pas de contact. On y vient à l'interdiction des repas en famille. Ça a été proposé, hein. Mais je pense que, tu sais, l'éducation, n'essayez pas de faire ça chez vous à la maison, c'est un truc de professionnel, quoi. C'est ça. Donc, qu'on en finisse avec ces maudites familles et qu'on laisse les professionnels faire leur travail. Tu vois, ça ne peut pas être ça. On ne peut pas partir du postulat que toutes les familles sont défaillantes. Oui, il y a des familles défaillantes, il y a des familles dysfonctionnelles, comme il y a des profs dysfonctionnels, comme il y a des écoles dysfonctionnelles, comme il y a des profs de judo dysfonctionnels, comme il y a des mécaniciens dysfonctionnels. Bon, il faut lutter contre le dysfonctionnement, on est bien d'accord. Mais de là à dire, voilà, on va prendre un postulat, c'est que toutes les familles de France sont incapables d'éduquer leurs enfants, donc il faut absolument que ce soit fait par un professionnel.
On peut pas, on peut pas. Alors, moi je ne peux pas m'en empêcher, mais vous allez m'entendre faire cette métaphore pendant toute la durée des états généraux. C'est pareil pour les femmes qui accouchent. On ne peut pas faire confiance aux femmes qui accouchent. Elles ne savent pas accoucher, elles ont besoin des médecins. Et voilà, et plutôt que de postuler qu'en fait, la plupart des femmes savent accoucher, et puis il y en a pour qui c'est difficile, et puis pour celles-là, c'est chouette que la médecine existe, on va décider que de base, hein, on part du principe qu'elles ne savent pas accoucher, et puis on sort tout l'arsenal cette suspicion fondamentale qui empêche les gens d'être libres, en fait. Voilà. C'est Illich a nommé ce rapport au travail, ce rapport à la santé, ce rapport à l'école, ce rapport à plein de choses qui s'industrialise et qui en fait enlève la compétence aux gens, en fait, tout simplement parce qu'à partir du moment où ça devient des questions de professionnels, ça veut dire que, puis tu vois là, encore une fois, tu vois, moi je suis pas tant que ça dans les combats féministes et tout ça parce que je peux pas tous les mener à la fois, mais c'est vrai que ça a été quand même une façon de disqualifier les femmes parce que finalement le savoir médical est devenu des remèdes de grand-mère, des trucs de bonne femme, tu vois, et que les vrais médecins c'était des hommes à l'hôpital, comme la cuisine, tu vois, ils avaient les recettes où c'était la mamie, tu sais, la mama qui faisait les pâtes, etc. Mais quand on a créé des écoles de cuisine avec des gens diplômés, c'était des gars, tu vois, etc. Donc on a disqualifié le savoir féminin essentiellement, qui était le savoir domestique en fait, hein, tout simplement lié aux naissances, aux morts, à la santé, à l'habillement, à l'alimentation, à l'éducation, etc. On a disqualifié le savoir domestique qui était essentiellement féminin pour en faire un savoir de professionnel essentiellement masculin. Et ça, c'est encore toute une autre, tu vois, une autre. Là, on embarque là après dans des choses, tu vois, des lames de fond. Quoi. On voit qu'il y a des schémas qui se répètent finalement. Mais oui. C'est pas que le problème de l'école en fait. Hein. Mais non, c'est vraiment. Et peut-être que c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est tout ce qui est transversal. Toutes ces problématiques qui traversent différentes strates de la société, différentes catégories de personnes, de populations, etc. Mais en fait, c'est ça, c'est que la lutte, elle doit se mener au niveau macro, au niveau micro, au niveau politique. Il faut que toutes les forces soient... Et c'est pour ça que moi, je prêche un peu pour ces micro-espaces-là sur lesquels il est possible de s'entendre sur la poursuite du bien. J'aime beaucoup cette phrase de Illich. Parce que je ne suis pas très doué moi, pour le combat politique, mais par contre qu'on le mène à une échelle plus large, qu'on le mène au niveau syndical, au niveau tant mieux. Il ne faut se priver d'aucun moyen d'action, hein. Il faut sortir de la dualité combat individuel, personnel versus combat collectif, politique. En fait, il faut emprunter une diversité de stratégies, une diversité de tactiques pour parvenir à faire en sorte Il faut amener les gens à vivre des situations. Tu vois, là, le Covid, par exemple, avec les gens à la maison avec leurs enfants, il y en a plein de gens qui ont découvert leurs enfants et qui du coup, après, se disent « Ah, mais c'est vrai que, en fait, je n'étais pas présent. » Juste avant cet épisode-là, ils auraient juré jusqu'à la mort qu'ils sont très présents pour leurs enfants, en fait. Tout à fait. C'est d'arriver à amener les gens... Moi, je sais, quand j'ai lancé ma maîtrise... mon master en bon français, ma maîtrise en éducation où je parlais de ça, il y a tout un tas de gens de gauche qui me sont tombés dessus. Et moi, je n'avais pas pris la mesure de ça il y a 15 ans de ça. Tu vois. Moi, je pensais que je disais, je vous parle des enfants. Oui, mais tu es en train de dire qu'il faut détricoter le système public. Non, je m'en fous, je ne parle pas de ça, je parle de l'enfant. Oui, mais l'éducation, c'est politique, etc. etc. Et donc, j'ai quand même réussi à amener un certain nombre de mes amis dans le système éducatif en me disant, parce qu'ils ont vu mes enfants, parce qu'ils les connaissent, ils les voient aller, etc., dire, effectivement, on est quand même capable de mesurer les apports, tu vois, d'une éducation sans école. Et même les profs me le disent, on voit que vos enfants ne sont pas allés à l'école parce qu'ils ont une imagination, ils ont une liberté que les autres n'ont pas. Donc, tout ça, là, on peut l'apporter, on peut, mais dans des discussions, je dirais, de proximité. Et si on arrive à les apporter à une plus grande échelle, eh bien, tant mieux.
Juste merci. Un dernier commentaire pour rebondir sur la professionnalisation des connaissances. Un commentaire qui nous vient de Anne LVLB qui dit que pour certains professionnels de l'éducation, on ne peut pas cumuler les casquettes de parents et d'éducateurs. Donc, c'est vrai que parfois, il y a ce regard-là de l'extérieur. « Ah, ta maman, c'est ta maîtresse. » Et c'est vrai que du coup, pour ces gens-là, c'est vraiment… mais comment on peut être à la fois le parent et comment on peut être à la fois le professionnel? Parce que pour l'éducation, on est professionnel. Mais en fait tu vois, ça, c'est vraiment… j'ai fait un paquet de lives là depuis la COVID et tout ça, et je n'ai pas arrêté de dire aux parents « arrêtez de jouer au prof ». Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cumuler la casquette de parent et la casquette d'éducateur. Il faut être un parent. En relation avec son enfant. De son enfant. En fait, je vous prends un exemple que tout le monde va comprendre très facilement. C'est que quand vous partez en voyage, vous partez un mois au Mexique avec vos enfants, vous n'êtes pas l'éducateur, vous n'avez pas préparé des cours, vous n'avez pas fait des… il n'y a pas des cahiers à remplir, il n'y a pas d'examen à la fin, il n'y a pas de projet à monter, vous êtes en voyage. Vous ne voulez pas rien faire de votre journée parce que vous êtes allé au Mexique, c'est pour vous visiter. Vous ne voulez pas non plus courir toute la journée n'importe comment. Vous voulez, il y en a qui sont des couche-tard, d'autres des lève-tôt, bon, etc., etc. Donc, vous voulez que tout le monde soit en forme. Vous voulez qu'il y en a un qui veut faire ça, l'autre qui veut faire ça, on peut faire deux groupes, enfin, peu importe. Vous voulez que tout le monde soit content de son voyage, mais il n'y a personne qui joue au prof. Et si quand vous revenez de votre mois au Mexique, moi, je vous disais, ah oui, c'est cool d'avoir passé un mois au Mexique. Bah, le problème, c'est que vous n'avez absolument rien appris, quoi. Vous allez me dire, ben non, t'es idiot, parce qu'on a vu plein de choses, on a rencontré plein de monde, on a appris plein de choses. Ah, donc, ça veut dire qu'on peut apprendre sans avoir un prof qui te dit quoi apprendre, tu vois. Et donc, une fois que tu as fait ce petit bout de chemin-là, finalement, aller visiter le musée de je ne sais pas quoi à Mexico, tu ne le fais pas en tant qu'éducateur, tu le fais en tant que parent qui découvre un pays avec ses enfants. Donc, au quotidien, dans ta vie de tous les jours à la maison, c'est aussi la même chose. Quand moi, je fais à manger, que Eikem, il vient me dire « Ah ouais, je vais t'aider », etc. Je ne dis pas « Alors, voici la première leçon. C'est, je continue à faire manger, mais tiens, tu peux m'aider à faire ça. » Et du coup, il apprend à utiliser un couteau, et depuis toujours. Tu vois. Quand on est en forêt, parce que je suis souvent aussi en forêt, dans une cabane au fond des bois, j'ai trois haches de trois tailles différentes pour fendre les bûches. Et donc, les enfants fendent les bûches, s'amusent à faire ça avec moi, comme ils veulent. Moi, je ne les force pas, mais je sais quand ils me voient faire, si je leur avais donné ma hache, mon merlin, là, ils n'auraient pas pu le faire. Donc, j'ai des haches adaptées à leur taille. Et l'IM me dit « Ah ouais, mais moi, ce que je veux utiliser, c'est la tronçonneuse. » Et j'ai dit « À mon avis, c'est trop lourd pour toi, c'est la tronçonneuse, puis ça n'a pas de cerveau, la tronçonneuse, ça va couper n'importe quoi que ça rencontre. » Donc, j'ai dit « Regarde, soulève-la, regarde le poids qu'elle fait. » Alors, j'ai en même temps, essayé de la tenir à bout de bras, parce que ça se tient à bout de bras. Ok. Bon, il n'est pas revenu avec ça. Donc, encore une fois, tu sais, sur l'histoire d'autorité, c'est pas parce que je suis le père et que je te dis non. C'est « Regarde, tu vois, tu le vérifies par toi-même. » Et donc, ceci dit, il apprend à fendre des bûches, il apprend que la tronçonneuse, il faut… Et il aura appris un milliard de choses alors qu'il aura eu un cours sur rien, quoi. Ouais. Donc, non, on n'a pas accumulé une double casquette de prof et de parent. Le parent a ce travail à faire de jardinier, de créer les environnements dans lesquels il est possible d'apprendre. Merci Thierry. Là, notre live touche à sa fin. Il est 18h51. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais ça a peut-être du sens pour toi. Il me semble que tu avais un engagement après. Oui, j'ai la suite de la journée. Mais écoute, merci pour l'accueil. Merci pour la rencontre. Merci Stéphanie, merci Dali. Je vais continuer à suivre tout ça. Et puis, en espérant que ça apporte de l'eau au moulin et que ça fasse infléchir quelques certitudes qui traînent autour des ministères. Il y a des sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, comme cette espèce de suspicion et de déni de compétences ou de légitimité, ou que sais-je, des parents qu'on envisagera demain.
les difficultés des relations entre les parents et, l'école, avec Catherine Dumontail-Crémer notamment. On a essayé de faire en sorte de prendre en compte un maximum de questions qui nous ont été posées. Ce n'est pas toujours facile. S'il y en a qui subsistent, je rappelle que vous pouvez toujours vous rendre sur notre agora et l'inonder de vos témoignages, vos points de vue, de vos expériences. Je te remercie encore une fois, Thierry. Merci d'être là, de nous soutenir et de nous enrichir de la pertinence de tes points de vue. Merci à toute notre équipe technique. Merci à Stéphanie. Et je vous dis à demain matin. Oui. Je n'ai pas le planning sous les yeux. Steph. On commence dès 10h demain, voilà, avec quatre tables rondes qui s'enchaînent sur toute la journée. On espère qu'on n'aura pas de petits problèmes techniques comme au début de celle-ci, mais ça arrive. Et peut-être ça arrivera encore, mais on espère que non. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci bien. Un grand merci à tous. Bonne suite. Merci Thierry. Merci, hein. Au revoir.